Donc salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo après quelques temps de pause. Oui j'ai mis un petit moment imposé. Donc je vais vous présenter Carnival Game VR sur PlayStation VR, qui est un jeu que j'attendais pas du tout. Il y avait des jeux sur Wii et DS qui étaient complètement pourris de la série. Eh ben il est super sympa celui-là sur PlayStation VR, vous allez voir ça. J'ai fait un test sur ETR.fr, vous pouvez retrouver en bas, je crois que je lui ai mis 72 sur 100, je suis plus sûr, faut aller voir. J'ai des cheveux verts bleus, en effet, ouais, je suis comme ça, je suis un peu bizarre. Et on se retrouve de suite dans le jeu, vous allez voir, c'est super marrant à faire. Donc voilà, dans Carnival Game VR, on est en fait dans une fête foraine, où on a 4 zones avec à chaque zone 3 jeux différents, ça fait donc 12 jeux. Je vais vous montrer le premier. Hop, Léonore. Donc tout le monde connaît, vous allez voir ça. Donc voilà, tous fait ce jeu au moins une fois dans notre vie à une kermesse ou une fête foraine. Moi, c'était à kermesse de mon école et on gagnait des cartes Dragon Ball Z. Et je fais de la merde. Hop, voilà. Bon, c'était bon parce qu'il faut avoir la bouteille dorée dans celui-là. Pas besoin de toutes les faire tomber, vous faites tomber la dorée, vous passez à l'épreuve suivante. Wouhou! On va faire des trucs. Peut y avoir qu'une seule bouteille de lait dans cette ville. Merde. Hop hop. Est-ce qu'on peut jongler, tiens? Non. Le gars qui était chaud. Non. On peut évidemment essayer à avoir ce con, mais il est impossible à avoir. Ah merde! Eh oui, je l'ai jeté, je l'ai gaspillé. Donc, on va voir notre jeu. Non, voilà, un jeu de tir très classique. Hop, on prend les deux flingues. Tac, tac. Je trouve vraiment, à mes yeux, c'est la meilleure reconnaissance des manettes PlayStation Move que j'ai pu voir pour l'instant. Mais je fais de la merde. Donc il est dur celui-là parce qu'on peut pas tirer comme un bourrin. Au début je faisais ça, mais quand tu tires comme un bourrin, tu perds le multiplicateur. Donc faut essayer. Hop, voilà, une seule balle. Et merde, j'ai perdu un peu mon multiplicateur. Et là on peut pas voir parce que je suis déconnecté, mais on a des classements en ligne. Je tire avec un flingue, au final ça sert à rien de tirer avec deux parce qu'on gaspille et on perd ce fameux multiplicateur. Au début je faisais ça, voilà. Je vais faire n'importe quoi pour montrer, je tirais comme ça et on voit que le multiplicateur est tombé à 1. Ce qui est une très mauvaise chose. Or faut tirer. Merde. La caméra me perd de vue des fois parce que j'ai un tout petit salon. Ouais, salon chambre. Salle à manger. Tac, 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 tac. Et j'ai fait de la merde. Alors celui-là est super dur. Faut empiler des gâteaux. Hop. Le jeu a beau avoir une bonne 3D, c'est dur à bien jauger les distances. Hop. Ah, je fais de la merde. Il faut que ça empile. Quand il tombe, on perd les points. Et ça me donne faim, cette merde. Mais on voit qu'il y a vraiment une physique super sympa. C'est avec Physics de Nvidia. Ouais, je pense qu'on a compris le principe. On va faire un autre jeu. Et voilà, merde. Ah, ils sont collés à mes mains. Jeu complètement différent. Le gars qui a rien compris. Ouais. Ouais. Wouh. Ah, c'était lui où je m'étais le mieux débrouillé. Parce que je l'ai fait en mode complètement bourré. On a un nombre de ballons illimité en fait. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc faut pas se concentrer. Ça, merde. Ah merde, c'est décalibré. Ah, c'est décalibré. Tu as pas l'air d'un con, tu jettes pas comme ça en plus, en vrai. J'ai fait 32 basket, on voit que j'en suis très loin. Bon, moi, mon record en bas, 32. Mais j'étais allé plus vite que ça, j'étais vraiment.
J'ai balancé des ballons, c'était des mitraillettes de ballons, c'était pas du tout la précision qui était visée, mais ça a marché. Donc on va finir avec le dernier jeu, mais le plus physique, vous allez voir, je vais être complètement mort. Donc voilà, cette dernière preuve c'est le mur d'escalade, je dois me mettre assis parce que sinon... Oh putain, il va me faire chier pour ça. Sinon, je mets un coup dans mon lit, ça m'est déjà arrivé une fois, donc maintenant je joue assis à ce jeu parce que tu es comme ça. Allez, dans tous sens, donc allez, on se prépare, allez. Time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose the grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the dream of the fight. Voilà, j'ai fait encore pire que la dernière fois. Donc voilà, c'était Carnival Game VR. Super amusant, je trouve. Super fatigant aussi, surtout ce dernier qui est vachement mal calibré. On n'arrête pas de tomber. Si vous voulez voir plus de vidéos, allez sur etr.fr. Des tests aussi. Je suis beaucoup sur les tests en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le PlayStation VR ou autre. Donc... A bientôt tout le monde.